Slaz contre Nifex dans quelques instants. Je vais pouvoir inviter les joueurs. Est-ce que Slaz est dans le coin? Slaz est hors ligne. Je répète, Slaz est hors ligne. Bonjour. Non. Ça va, Slaz? Ça va, Nifex? Bonjour. Bien, bien, et toi? Bah écoute, ça va. Bah, vous êtes chaud? Yo. Ah, mais toujours. Yo. Les heures que je m'entraîne, depuis 6h ce matin, je suis debout. Ouais, t'as pas idée. Okay. Ouais. Séance de sport, training. Moi, j'ai cru passer sur ton stream ce matin et t'étais bien en train de jouer à la manette. Hein. Ça t'a... Ah, je te cache pas qu'elle est toujours présente. T'es au courant qu'on joue pas sur Xbox One, hein? On est d'accord. Ah, moi qui espérais, écoute, j'avais encore un reste d'espoir, on va dire. Alright, I've got to show you guys, I'm in pro league. Faut allumer ton PC parce que je t'attends dans le lobby en fait, tu vois. Bah sincèrement, je me suis entraîné il y a une semaine. J'avais on va voir ça, hein. M'aider pour la Sensi, tout ça. J'ai lancé le jeu tout à l'heure et j'ai laissé tomber. J'arrivais pas à prendre un drone, je me suis dit non, c'est trop dur là, on va prendre la manette. Je te vois pas en ligne. Oui, je suis en ligne, je te vois, moi. Tiens, ne pas déranger. C'est peut-être moi qui bug Uplay, finalement. Je vais peut-être devoir redémarrer mon jeu. Est-ce que tu me vois en ligne, Lair Smith? Je vais redémarrer. Ouais, je te vois en ligne. Ah, c'est bon. Je peux pas t'inviter, par contre. Ouais, bon, je vais redémarrer mon jeu et Uplay. Ah, bah c'est génial, le PC, c'est intéressant. Ah. On arrive, ça bug. Je vois ça. Ah oui, oui, bah oui. PC Master Race. On va pas tomber dans ce débat. Hein, on va éviter. On est, donc on est d'accord, c'est ah bah yes. Mes invitations. J'arrive. Je reviens okay. Le lobby. Je t'ai normalement ajouté. Ouais, je vous ai invité là. Ah, c'est bon, ouais. J'ai reçu. Yes. Ok, je n'ai absolument rien du tout. Moi, je suis à ma place. C'est bon. T'as pas reçu? J'arrive, ni fait. J'ai un qui s'affiche, je sais pas, je peux. Mais... On est d'accord, mes invitations. Dans notification. C'est dans notification, ouais. Je te réinvite. J'ai 25 milliards d'ajouts d'amis. Ah si, je t'invite, Nifex, t'es où? Je suis censé voir une notif là. Ouais, t'es censé voir une notif. Ouais. Vous sentez qu'on va avoir un reboot Uplay de la part de Nifex ou pas? Le chat vous validez, j'ai rien, non? Je suis pas taré. Est-ce que tu reçois l'invite, Nifex? Non. Si t'avais regardé mon live, voir, je fais juste, je suis sûr. C'est bien une notification. Je n'ai rien. Elles sont pas en dessous de tes demandes d'amis ou... Peut-être. Oui, c'est ça. Allez, c'est parti, ça y est, on peut y aller. Slaz contre Nifex. Quatrième et dernier huitième de finale de mon côté. Nous sommes partis. Nous allons faire qu'une bouchée de Slaz. Je n'ai point peur, monsieur. C'est parti. Et Nifex au shotgun. Ah mais j'ai vachement plus de munitions, je pensais pas. J'ai pas de munitions. Je pensais pas que j'étais... J'aurais dû prendre un alibi du coup, si je lui ai pété la map. Non, j'aurais dû prendre un alibi, ça casse rien du tout. Je crois qu'il est pas près de ce qui va lui arriver là. Alors qu'on est encore en train de renforcer là du côté de Nifex. Oh il a l'info, oh il a l'info. Oh, il a l'info et il pré-shot et Nifex qui est parti au niveau de l'escalier main. Il a pas l'info. Si, Nifex il a l'info. Par contre, au 6-12 ça va être compliqué. T'as le joueur qui. Si, il va me jouer. Let's go! On est rentré, la petite Gumaïn qui va partir et déjà on a un premier duel. Ah allez, on nous change un peu là du côté de Slaz. Des trous de shotgun ont été faits, qui a pris une Gumaïn. Oh la décale. Oh la décale de Nifex et voilà ce qui disait 6-0. Nifex vient de remporter le premier round. Du coup, Nifex, pas de droning, part sur le top avec un Slaz. Sur son vigile, est-ce qu'il va pas tenter un spawn pick? Eh si, il va totalement tenter un spawn pick. Alors qu'on a pop de l'autre côté pour Nifex. Avec la spear, il joue pas à la batteuse. Mais sans droner, c'est hyper hardcore, comment tu veux que j'y arrive? Wouah, le bébé, oui, je suis trop con, j'ai vu la transi. J'aurais dû m'en douter, forcément, elle allait se mettre là-haut. Je l'ai vu en plus, je suis trop con. Et la tête qui part, ça y est, des balles du vigile. Trop facile là pour Slaz, ce deuxième round. On le fait ou pas les gars?
vite. Vite, faut que je finisse. Nope. Et il va rentrer. Shotgun des deux côtés, il y a le shotgun bien sûr de Hongkongais. Pour Slaz. Et Nifex, il se trouve au niveau de la salle de bain. Et on a droit au drone puisqu'il n'y a plus de handicap lorsqu'on est à égalité. Et il a l'info. Il a l'info, le shotgun qui louche un petit peu et on va monter. Pour Slaz alors qu'on s'est repositionné au niveau du closet. Et la flash qui part, et là. It was at this moment that he knew. He fucked up. Et là, c'est le drame. C'est le drame. Et bonjour Nifex 8. Ah le double flash. Il avait un foiré. Je pourrais rien faire. Pas con les flash hacks, la ying est hyper puissant pour le coup. Bon, je suis pas convaincu par ma stratégie finalement. Prendre notre temps, il doit être. S'il fait la transi, non pas de transi. Il est du côté là-bas, ce qui veut dire que je peux rentrer normalement ici. Et là, on n'a pas pris le shotgun hein, pour Nifex. Oh, le droning, le drone. Oh. Nifex qui remporte son deuxième round. Et non, ce ne sera pas un 6-1. Et une nouvelle fois, on recolle de partout. 2 minutes 15, Slaz. Pour aller chercher le joueur que tu cherches. Est-ce qu'il a l'information là? Est-ce qu'il a pas toutes les informations nécessaires? Non, pas que je suis flash, s'il te plaît. On a l'information, on peut sécuriser derrière. C'est Slaz qui remporte son duel tranquillement et 3 à 2 pour lui. Il bouge up. Il fait quoi? Il est en haut, il est en haut, il est en haut. Putain, avec le bruit du finca, j'entends rien. Il tente, il va falloir que je commence à bouger, mais je sais pas où il est. Il s'est planqué, je sais pas où. On va essayer le back, let's go, let's go, let's go, let's go. Ah, je sais pas où c'est. Oh, je l'ai vu. Et il va falloir retourner sur site là pour Slaz, il va falloir retourner sur site. Il se trouve au niveau de l'escalier, Nifex qui remporte son duel. Allez, 3 partout, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Oui, Nifex est là pour jouer et il montre eh bien que contre une Cavera, des fois, on peut rivaliser à la manette. C'est dans l'autre sens. Il a pété l'armoire. Le fil, j'ai pas joué depuis tellement longtemps. Non, 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 non! Oh l'enfoiré! Putain, je vais lui mettre le travers! Recharge la batteuse! On voit les pieds. On voit les pieds. On voit les pieds et le premier duel qui va peut-être être pris. Et ça, c'est très intéressant. On va envoyer le feu sur un Nifex qui, pour le moment. Oh, c'est le feu qui vient finir Nifex qui a décalé sur la droite directement. Il a pris une ou deux balles et en se décalant, eh bien, au revoir, monsieur. C'est propre, côté Slaz, et ça fait 4 à 3. Ça fait 4 à 3. Et on n'est pas à l'abri de voir un joueur recoller à 4 partout. Et P90. P90 utilisé du côté de Slaz. Nifex qui va poser son drone, lui, sur le ledge de ce main, derrière le vase. Oh, oh le spawn.
Oh, le spawn pick P90 de la part de Slaz. Non, mais non, le vieux, j'ai voulu lancer mon drone en plus, j'ai tellement c***. J'ai voulu lancer mon drone. Je me suis décalé pour balancer, c'était débile. J'ai pas de mots pour... J'ai trop c***. Allez, Slaz à l'attaque, donc pistole ou 556 XI only. Enifex de son côté avec la T5 et on est en train de préparer au niveau du billard de mettre un premier coup de pression et là ça va être juste à sa droite et Enifex. Oh, le shot qui aurait pu partir, qui aurait pu être monstrueux et... Est-ce qu'on a vu le bout? Et on l'a pas vu! Ah, malheureusement pour lui, c'est Slaz qui gagne ce duel. Oh, ça devient chaud! Ça devient très très chaud. On est donc sur... Mais attends, on est à 6-3 en fait, non? Bah oui, c'est un GG. Voilà.